Salut à tous, donc on continue cette caverne qui est bientôt finie. Hein. On touche au but. Donc toujours autant de combats bien chiant. Et là en fait ce qu'on fait ça va nous permettre oui de rejoindre l'autre groupe. Qu'est-ce qu'il fait feu de sur moi lui? Ah oui d'accord. Moi je regardais le clavier donc je relève la tête, je vois du feu de, je crois que c'était Strago qui l'avait fait. Enfin bon. Passons. Merde mais. Ouais, mais je suis attardé ou quoi? Quel con. Putain, il y a trop de combats. Hein. Alors ouais, on continue. Tu vas te calmer toi. Merde. Merde. Non, c'est bon. On va. Donc là, ça servait à ça, hein, les deux petits pics. Voilà. Et en fait, pour terminer la cave, faut mettre un perso sur chaque truc. Là. Et là, on s'en fout pour l'instant. On va déjà commencer. Hein. Voilà. Mais on va d'abord se faire le dragon. Et récupérer un gros coffre là-bas. Donc bien se foutre la vie à fond. Une petite sauvegarde rapide au cas où. Hein. Voilà. C'est vraiment au cas où. Hein. Mais je la ferai pas pendant le combat, ça je vous le jure. Je peux vous le jurer que je la ferai pas pendant le combat. C'est pas pour tricher la sauvegarde rapide, c'est pour pas perdre de temps juste. Hein. Enfin pour moi quoi. Pourquoi je peux pas fait mimer au lieu de faire ça? Oh, tant pis. A mon avis il va pas tenir le dragon. Enfin je suis mon malin et puis il va m'exploser si ça se trouve. Donc logiquement il a flair niveau 4. Je suis pas sûr mais fusée ouais, fusée niveau 4. Donc voyons voir s'il n'y a pas des multiples niveau 4. 36 c'est pas... Si, 4x9, merde. Il y en a qui vont souffrir, bon tant pis. Ah bah même pas besoin d'aller le chercher tiens. En plus je l'attaque par surprise. Protect. Hop. Dragon de feu, il craint la glace, hein, logique. J'ai un bouclier qui absorbe le feu donc, enfin qui protège du feu.
Ça, je crois que ça fait mal. En effet. Alors. On va commencer par ça, ouais. Non, on va pas commencer par ça. Donc là, il m'a un petit peu explosé la gueule. Bon, le second 2 sert à rien du coup. Putain, le petit salaud. Je m'attendais pas à cette attaque, hein, je vous l'avoue. Bon, j'espère qu'il va pas le faire sur. J'ai rien dit. Bon, j'ai tenté de me le finir tout seul. Je tente. Go, vas-y Sabine. Explosé la gueule là. On est, s'il commence à lancer des gros trucs, c'est qu'il a plus de vie. Yes. Bon, c'était un pari, hein. Bon, je l'aurais quand même buté, je pense. Avec vie, etc. Donc vous voyez, bonne équipe qui s'est fait un petit peu laminer. Mais bonne équipe quand même. Strato, ok. Ça me fait penser à Strago. 4 dragons, ok. Cœur de dragon. Bon, ça sert à rien en fait. C'est quand on fait sauter avec la relique botte de dragon. Voilà, bah. Bondir, bah c'est automatique. Enfin, je crois. C'est-à-dire qu'il fait sauter, 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 donc on le touche jamais quasi. C'est sympa, mais bon. Peut-être pas utiliser. Donc là, on va terminer la caverne, si je me trompe pas. On va aller sur le deuxième bouton. Voilà. Ensuite, avec n'importe quelle équipe, on y va. Celle-là, c'est la plus sûre. On va pas se faire chier. Moi j'ai fait mimer. Hein. C'est la magie gratos. Si c'est pas génial ça. Oula, oh. Alors lui quand il critique, il fait pas semblant. C'est plus mal que Boomerang, je crois. Ah yes. Je crois que c'est la seule technique qui me manquait. Je la connaissais pas, ouais. Ah oui, je la connais. Il se suicide. Et ça refout tout le monde à fond. Vie et mana compris. Ça peut paraître débile, mais quand il se retrouve tout seul comme une merde, comme tout à l'heure, ça m'aurait été bien utile, ça aurait ressuscité tout le monde. Enfin, je suis pas sûr que ça ressuscite, mais bon. Si, si, même. Ça ressuscite tout le monde, et ça fout tout le monde à fond. Donc tout à l'heure, contre le dragon, ça aurait été bien utile, vu qu'il était tout seul. Magie, antidote, voilà. Bon, ça doit être la fin de la caverne, logiquement. Donc il devrait avoir l'ok. Donc il est là. Mais il me casse les couilles. Donc tous les covid qu'il y avait, hein, je vous l'ai dit, ben bah, c'est ah Loki qui les a récupérés. Merde. Non putain, qu'est-ce que je fais? Non, si c'est ça. Merde, bon je l'ai fait comme de la merde. Attends, j'y arrive d'habitude. Ah voilà. Lui, j'ai réussi. Je peux vous montrer le truc de Sabine si vous voulez. Je me rappelle même plus ce que c'est en fait. Hop, mimé, donc il va lui relancer dans la tête. Et voilà.
En fait, mi-mai, je sais pas si ça fait la dernière action de l'équipe ou dernière action en tout, c'est-à-dire en comptant celle de l'ennemi. Je pense que ça compte aussi celle de l'ennemi, je suis pas sûr. Et enfin, le voilà. Donc là, il s'ouvre un coffre. C'est Phoenix. Donc, ce que je vous rappelle, Rachel est morte. Vous vous rappelez Rachel dans l'histoire de Loki. Et lui, voilà, il l'a pris Phoenix. Ouais, c'est parce que ce qui est marrant dans le jeu, c'est que les magicites, tout ça, ils en parlent comme dans la vraie vie, quoi, je sais pas. Genre, ils vont la réciter avec. Donc là, on retourne à Collingen, hein, là où il y a Rachel. Qui, je vous rappelle, était tombée d'œil au dos d'un pont, machin, elle est morte. Ils l'ont conservé ici. Donc ça, c'est un phénix. Et hop, elle ouvre les yeux. Donc c'est logique. On peut utiliser vraiment les trucs comme en vrai. Je crois qu'elle va recrever dans pas longtemps. En fait, il la ressuscite juste pour que elle lui dise je t'aime, elle crève, pour le faire chialer encore plus. C'est vachement utile. Il fait le tour de lui, ça rien. Je crois qu'elle a bientôt passé par le train fantôme. Donc là, il y a Magicite qui va se reformer. Voilà, j'espère que vous avez préparé des mouchoirs parce que vous avez du chialer comme des tarés. Et voilà. On a récupéré tous nos compagnons. Et on en a des nouveaux. Ouais, ça c'est tous les trucs des coffres vides en fait. Ils les ont récupérés. Donc là on pourra aller voir Kefka
direct. Mais il y a plein de quêtes annexes. Il y en a au moins. Attends, je lui compte. Enfin, je passe en compte le 8 dragons, mais. Ouais, après il y a Doomguys, il y a Eden, il y a les 8 dragons. Il y a le rêve de Sian. Il y a le truc souterrain là. Il y a quoi aussi? La tour des fanatiques, le 6. Puis j'en oublie, hein, attendez. Il y a quoi d'autre? Enfin, je sais pas, bon. On va dire en gros, il y en a un petit peu moins d'une dizaine, quoi. Donc là, on va se casser d'ici. On se prend le dirigeable. Hop. Maintenant, je vais vous montrer le passé le plus important de tout le jeu. Le passé de Loki. De Shadow, pardon. Donc, vous vous rappelez que Realm, elle pouvait équiper la bague Memento. Et Shadow aussi. Donc, il n'y a que avec Gogo qui peuvent. Mais Gogo, c'est sûrement parce que c'est un mime en fait. Donc, il peut tout porter. Je mets la bagnette, les baskets. Donc on n'est pas obligé de le prendre tout seul, hein, bien sûr. Juste histoire de vous montrer. Donc j'aurai pas le temps de tout vous montrer dans la vidéo. Donc ouais, pour voir le passé de Shadow, c'est assez particulier. Hein. Faut dormir dans les auberges. Donc je sais pas s'il faut changer d'auberge à chaque fois ou pas. Parce que je vous avoue que j'ai pas eu tout son passé. Enfin si, je l'ai vu en vidéo sur YouTube. Mais je l'ai pas tout vu comme ça. Donc là, hop, faut dormir. On peut prendre d'autres gars avec nous, hein, c'est pas un problème. Oh, le con. Bon, bah, il veut pas. Ça va faire comme l'autre fois, je vais mettre une heure à pouvoir vous montrer un rêve. Allez, stop, et dors. Non, il veut pas. Bon, il a essayé de m'emmerder. Parce qu'en fait, si on dort, il fait des cauchemars. Et on peut voir son passé. En fait, c'est hyper aléatoire, le truc. Mais tu vas te dégager, toi. Et comme c'est aléatoire, du coup, bah... Voilà, des fois, il nous fait chier, comme maintenant. Comme j'ai pas de chance, il risque de continuer longtemps. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais garder Shadow avec moi. Je vais faire les quêtes. Et puis, comme ça, je me reposerai de temps en temps, après être blessé. Et voilà, on risque de voir ses cauchemars grâce à ça. Donc là, je mets les gars que j'ai pas mis avant. C'est une équipe de bras cassés, mais c'est pas grave. Enfin non, Shadow ça va encore. 7-0 aussi. Enfin en fait, c'est pas une équipe de bras cassés du tout. Mais... Voilà. Donc elle va mettre son truc de contrôle là. Fausse moustache. Ouais, elle la met sa fausse moustache. Quoi, elle y est pas. Ah, j'ai eu peur. Ruban, ouais, pourquoi pas. Non, pas basket, c'est nul. On va lui mettre un truc d'esquive. La cape Zephyr, tiens. Ah, mais il y a les autres cons qui sont encore équipés. J'avais pas pensé à ça. Donc faut déséquiper les autres. C'est pour ça qu'ils avaient tous un équipement à la con, en fait. Voilà. Ça va déjà mieux, hein. Voilà. Alors. Moustache ruban, Vagmento, toi qui donne de l'esquive là, Cap Zephyr, voilà. Vous voyez, il a de l'esquive lui. Hein. Lui, bah, je vais justement mettre chaussures et machin. J'ai fait de la merde, je pense. Ouais, et puis à la prochaine vidéo. Parce qu'en fait, je vais faire une quête là, il me faut loquer de toute façon. Donc, prochaine vidéo, on retourne à Narcher, première ville du jeu. Voir les secrets qui se cachent derrière les portes verrouillées. Donc salut.